Nabil Sella, directeur du laboratoire de biochimie neuro-endocrinienne et titulaire d'une chaire de recherche philanthropique du Canada qui me permet de détendre nos travaux sur les proprotéines convertases. Les proprotéines convertases forment une famille de 9 enzymes qui façonnent la façon dont les protéines fonctionnent dans la cellule. Grâce à eux, on obtient des molécules actives qui ont une fonction biologique très définie. J'ai été très chanceux d'avoir obtenu une chaire philanthropique qui m'a permis d'étendre nos études vers des directions inattendues. Et la découverte des membres de la famille des proprotéines convertases a pris plus que 20 ans. Et ça, c'est un énorme travail fondamental qui a été fait à travers plusieurs laboratoires à travers le monde. Et nous sommes chanceux d'être le leader dans cette découverte-là. Et avec la découverte, on a réalisé qu'elles ont beaucoup plus de fonctions qu'on ne l'imaginait aux années 70 et 80. Et ça a étendu beaucoup nos connaissances dans ce domaine et dans leurs applications cliniques vers des maladies spécifiques. Nous croyons que ces gènes jouent un rôle primordial dans les trois maladies majeures qui affectent notre société, qui sont les maladies cardiovasculaires, les maladies infectieuses et aussi les maladies métaboliques, comme le diabète, l'obésité et aussi le développement de cholestérol à très haut taux qui affecte le fonctionnement du foie et d'autres organes. La source d'inspiration, c'est d'aider le patient ou la société à surmonter les problèmes qu'on peut avoir du point de vue santé.